Eh bien, salut à tous, c'est Super Vite Léo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon LP. Et oui, donc nous nous retrouvons devant le projet de l'épisode précédent, donc qui était la farm à canne à sucre. Donc on va tout de suite y aller jeter un coup d'œil. Voilà, alors allons-y gaiement. Alors, regardez, voilà, depuis la dernière fois, vous pouvez voir, ça a quand même bien récolté et beaucoup de gens s'en sont servis. Moi aussi d'ailleurs, je m'en suis servi pour faire la table de craft que je vous... Voilà. Moi je me sers de canne à sucre pour faire des tables de craft, bien sûr. J'ai totalement raison. Non, je voulais dire oui, je parle en effet de la table d'enchantement, on va dire, que j'ai dû faire avec... Non, c'était pas même pas pour la table d'enchantement, c'est pour la bibliothèque. Qu'est-ce que je raconte? Les bibliothèques pour la station d'enchantement. Voilà. Donc pour la table d'enchantement, on a utilisé deux diamants et de l'obsidienne normale, un bouquin. Ouais, quoique d'ailleurs, en fait, on a quand même utilisé en fait de la canne à sucre, puisque le bouquin, il faut bien le crafter. Donc voilà, donc là je commence à m'égarer, mais c'est un truc de fou. Et je vous avais promis aujourd'hui un épisode spécial. Alors il y aura très peu de redstone, de technique Minecraft, je suis désolé. Je vais juste vous faire entrer dans un petit monde d'architecture dans cet épisode. Un monde où je vais vous présenter en fait les projets des autres. Donc voilà. Et le mien d'ailleurs que j'ai créé et que je vous montrerai dans la deuxième partie de la vidéo. Donc d'abord on va s'attarder sur les maisons des autres. Alors, déjà voilà, ici c'est la première maison du serveur, hein. C'est la petite maison que Flo s'est fait pour pêcher. Voilà. Avant d'ailleurs il y avait deux côtés pour pêcher, maintenant il n'y en a plus qu'un. Voilà. Donc c'est sympa, c'est cosy, c'est très très tranquille, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'amuse comme des fous dans cette baraque. Et en tout cas, lui, il pêche énormément. Alors, il y a plus rien, je crois, j'ai l'impression. Si, là, il y a un stack normal, hein, comme si c'était un peu normal. Et là, il a toujours de la bouffe où on peut se servir. Hein. Voilà. C'est Flo, quoi. Après, la deuxième maison du serveur, donc la maison de Zeptuna. Maison de Zeptuna. Donc Zep c'est un grand architecte moderne. Voilà, il aime beaucoup faire de l'architecture moderne. Mais le problème c'est que, eh oui Zep, t'as un problème avec les intérieurs de tes maisons parce que c'est toujours vide. Voilà le seul endroit chez Zep qui est habité. Le reste, voilà, c'est vide, c'est totalement vide. On dirait qu'il y a des chiens en haut. Oh, c'est trop mignon. Oh. Tiens, je te donne un os. Tu veux un os? Pas d'os? Il n'y a pas d'os. Bon, c'est pas grave. Bon, et là, c'est quoi? Bon, je sais pas ce qu'il a voulu faire, Zep. Mais en tout cas, il a un chenil là pour l'instant. Il a plein de chiens, il a plein de trucs. Bon, désolé, toi. Il a plein de chiens, c'est top. Ou s'il aime ça. Écoute. Je sais pas ce qu'il fait avec ses chiens, mais là j'appelle plutôt ça de la torture. Mais bon, voilà, on va pas s'occuper de ça, c'est pas nos affaires. Hein. Là, c'est la maison de Super Big Cam qui n'a pas vraiment avancé depuis la dernière fois, mais au moins lui, il commence à faire des trucs dans l'intérieur de la maison. Contrairement à Zepa, si on veut, si je ne puis dire. Et donc après, ce qui a été créé, c'était ça, voilà, c'était un petit salon restaurant plutôt cosy tout voilà donc c'était plutôt sympa. Et après on part sur les premiers ponts qui ont été créés pour rejoindre différents endroits. Alors attendez, voilà, maintenant regardez avec l'enchantement que j'ai fait, voilà, je vais hyper vite dans l'eau, tout va bien pour moi, je peux même sprinter dans l'eau, enfin c'est vraiment terrible comme enchant. J'adore, j'adore. Franchement, j'adore. Donc les bureautés, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas, déjà allez voir l'ancien épisode. Hein, et pour ceux qui se rappellent pas, c'est des Protection 3, Feather Falling 4, Death Rider 3. Donc c'est vraiment, vraiment utile, hein, comme bot. Alors, voilà, donc ça c'est le panneau, le planogramme. Hein, ça je vous ai monté en dessous et tout. Donc là, ce qu'il y a à savoir, c'est que ce qui a été changé, c'est que moi avant j'avais ferme à fer, ferme à slime et ferme à... ferme à quoi? Je voulais faire une ferme à quoi? Une ferme à canne à sucre que j'ai fait d'ailleurs. Donc là j'ai changé, j'ai rajouté ferme à witch, ferme à mob. Donc voilà, pour Emshir c'est un maze, donc un labyrinthe. Après bouffon la patate, ça je sais pas ce que c'est.
Peut-être un resto, j'en sais rien. Alors ça, ce qui est entouré d'étoiles, c'est les projets communautaires, donc centre commercial. Donc ça, c'est tout le monde qui mettra la main à la pâte et ça se passera là-bas. Et sinon, Strike, ferme à bois. Alife et Lucas, un palais en or. Alife, donc il veut faire, il peut aider en Redstone et il veut faire une cathédrale. Et sinon, il y a Lulumine qui veut pranker. Voilà, comme la dernière fois. Avant c'était Zep, maintenant c'est Flo. Tout va bien. Alors, maintenant on va enchaîner sur la maison aussi, café Vito Corleone. C'est son manoir en fait, voilà, le manoir d'un garçon de la mafia. Et oui, Vito Corleone qui nous a fait une belle maison. Donc, Vito, c'est un nouveau. Sur le serveur, il a 17 ans, je crois. Et voilà, dans sa maison, c'est très le vide. C'est un peu comme Zep, hein. Il aime bien construire les choses, mais pour remplir, c'est une autre histoire. Donc, comme vous pouvez voir, hein, il s'est fait une ferme à œufs. Ça fonctionne. Donc oui, qu'à œufs. Je sais pas pourquoi il a pas activé pour que ça fasse aussi une ferme à poulet, mais bon, c'est son choix. Écoutez, voilà. Donc là, voilà, je vous fais vraiment visiter le serveur en détail, hein, tout ce qui a été créé pour l'instant. Alors. Là, c'est le début de la maison de Creepy. Donc, une maison un peu dans le style steampunk, normalement, à ce que je peux voir. Et aussi, parce que je le connais, je sais que c'est un peu son truc, ça. Donc, voilà. Donc, là, c'est un début, hein. Et c'est déjà très très bien, d'ailleurs. Alors, là, on se dirige vers la partie déjà un peu plus sérieuse. Donc, là, ici, c'est la maison de Flo. Donc. Maison encore aussi vide. Hein. Franchement, les gens aiment faire des maisons vides, c'est un truc de ouf. Moi, je comprends pas. Moi, j'aime pas faire une maison pour qu'elle soit vide. Je suis obligé de la remplir tout de suite parce que je, voilà, j'ai l'impression que ça sert à rien. C'est vraiment faire une maison pour ne rien faire d'autre. Donc, j'espère que mes copains, mes potes là, entendent bien mon message. Remplissez vos maisons, les amis. Remplissez vos maisons. Regardez, ça, c'est pas une maison, c'est un bâtiment public. Et quoi? Et là, c'est rempli. Normal. Donc alors ici c'est quoi? Ici c'est. Y'a pas un panneau d'ailleurs dehors? Bon bah c'est Déchetland ici. Là y a un petit planogramme de Déchetland ici. Donc Déchetland est ouvert. Ah c'est là. Ah oui. Donc Déchetland, parlons-en. Comment ça marche? Alors, Déchetland, comment ça marche? Moi je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est long? Non c'est pas long. Comment ça marche? Si tu as des items, blocs, outils, armures et autres trucs qui te sont inutiles. Tu peux venir les déposer ici, je les utiliserai pour les offrir aux projets qui en ont besoin. Tu peux directement me les donner ici ou quoi? Bah ou dans les poubelles, l'oublier, dans les poubelles qui sont en ville. Si tu me donnes des choses que je peux réparer ou des choses de valeur, je donnerai un bon de réduction sur le magasin à ta gauche. Ah cool. Donc oui, donc les coffres hein, dont il parle qui sont dans la ville, il les a pas encore installés ou alors très peu parce que je ne vois pas où ils sont. On va aller tuer ce mob. Voilà, et d'ailleurs on va baisser un peu le son des pas des friendly créatures, des hostiles. Voilà, parce que comme ça on va pas les entendre toujours parce qu'elles nous énervent, hein. Voilà. Donc sinon voilà, projet Helps, donc ça je pense que c'est un truc donc ça c'est pour donc c'est le service en fait de l'aide au projet. Donc là c'est pour celui qui veut donner et là c'est pour celui qui veut demander. Voilà. Donc là il y a le guichet, donc quand Flo il est là, bon après c'est pour faire joli, hein, je vous assure. Alors ici c'est donc l'endroit où il y a tout ce qui est stocké. Donc pour l'instant apparemment il n'y a pas grand chose. Il y a là et au-dessus il y a quelques trucs aussi. Mais sinon voilà, ici c'est le petit magasin de Flo. Donc c'est surtout pour les rare loot. Donc les loots rares qu'il a quand il pêche. Donc pour tout ce qui est bouffe, il le fout là-bas. Mais pour le reste, c'est vraiment. Donc voilà, regardez, prêt à négocier. C'est lui, il a pêché des trucs comme ça. Sinon là, pareil. Prêt à négocier des enchantes de folie. Là, c'est gratis libre service. Bon, bah. Là, c'est des trucs qui donne. Donc c'est un peu son truc de déchet, quoi. Et là, prêt à négocier, pareil, name tag et une selle. Donc voilà. Donc c'est très 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 sympa Flo, on te remercie d'avoir fait ça d'ailleurs, enfin moi je te remercie. Voilà, donc on va partir vers quoi? Vers qu'est-ce que je peux vous aller vous montrer? Bon, je vais continuer sur les maisons et après on va vous montrer le casino puis ma maison au final. Alors,
Encore un péage. C'est quoi ça? Plaine québécoise. Oui, c'est la plaine québécoise. Alors pourquoi? On ne sait pas, mais c'est parce qu'il y a quelques maisons de Québécois telles que celle-ci. Donc ici, c'est la maison d'Emshire. Maison d'Emshire, très très sympa. Voilà, vide encore une fois. Mais bon, là, c'est vraiment pour faire figuration qu'Emshire a fait cette maison parce que il a déjà commencé sa base. Qu'on ira peut-être voir à la fin de l'épisode si vous êtes chaud. Et voilà. Donc, c'est pas très grand. Hein. Voilà, c'est ça, c'est des coffres ici. Il y a des petits trucs. Hein. On va laisser ça là. Voilà. Après, ici, c'est la maison de Lucas. Alors, Lucas. Lucas, il a fait des petits trucs et tout. Ici aussi, donc c'est pas très très rempli, mais lui, je sais qu'il va remplir sa maison. Alors, comme vous pouvez voir, et là, il a fait une autre petite, mais une autre partie de sa maison. Une maison un peu sur pilotis, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, j'aime bien. Voilà. Avec un petit pont, des petites récoltes. Voilà, un petit pont vers son autre partie de jardin. Un phare, ouais. On peut appeler ça un phare, ouais. Et donc ici il y a une autre maison, donc c'est la maison avec la table d'enchant, hein. Et là il y a la maison d'Alife. Je vais aller vous les montrer. Donc la maison avec la table d'enchant, donc c'est celle qu'il y avait dans le dernier épisode, hein. Alors voilà, donc il n'y a pas grand-chose, hein, à part une maison, à part des tables, quoi, une table d'enchant. Et ici c'est la maison d'Alife, avec ici en haut ça, hop. Ses coffres, son ender chest, tout ce qu'il faut. Et voilà. Alors ici c'est la collecte donc pour le palais en or. Donc il faut mettre des petits lingots et c'est pour qu'ils puissent commencer leur palais en or. Donc c'est vraiment un petit troll on va dire, hein, mais bon, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool d'avoir un projet tel que celui-ci. Donc voilà, et moi je risque de les aider parce que quand je ferai ma ferme à or, et ben vous verrez, ce sera sympa. Donc là, petit panneau vers chez Emshire. Donc là c'est que là-bas, tout là-bas, il y a la base d'Emshire, donc on ira voir en fin d'épisode normalement. Et là, donc ça c'est le gros projet de Zep et Vito Corleone, donc c'est le casino. Le casino de QVDP, hein, en effet. Un casino vraiment, 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 vraiment classe. Comme vous pouvez voir. Ils ont fait des bannières à leur effigie d'ailleurs. Donc ils commencent vraiment, c'est classe, hein. C'est vraiment plutôt classe. Ils ont commencé il y a une semaine, un peu moins d'une semaine. Et bon, bah ça prend forme, hein, écoutez. Ça prend plutôt forme. Voilà. On va commencer. C'est sympa, là il y a tout leur stand de trucs, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc pour l'instant c'est pas énorme. Mais ça va arriver de toute façon. Vous verrez. Ce sera plutôt sympa dans les jours à venir. Et donc maintenant on va passer à la chose la plus. La plus classe. Je me mets pas trop en avant en disant ça, mais on va aller voir, on va aller checker ma maison. Ma maison que j'ai préparée pour vous, donc ces 3 derniers jours. Donc maintenant, là aujourd'hui, on est quel jour? On est dimanche. L'épisode sortira mercredi parce que je pars demain matin à Rome. Et donc, vous allez voir ma maison que j'espère vous allez aimer. Donc, nous, on va quitter la plaine québécoise en fait. On va quitter la plaine québécoise, donc on va aller là-bas. Nous, on s'est mis donc sur la colline vers là-bas, là, comme je vous avais montré. Et voici l'entrée. Déjà, l'arbre de jade. Voilà. Donc ça commence bien. Ça commence très très bien là. Je sais pas si vous aimez un peu le design. Moi, j'aime énormément. Pour le sol, là, vous allez voir le sol et la verdure, c'est Zeb qui m'a aidé. Mais sinon voilà ça sinon j'ai vraiment tout fait hein, clairement voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà, très très sympa, très cosy. Très cosy cosy. C'est plutôt plutôt cool. Et là. Et donc voilà, vous avez finalement découvert l'arbre de jade. L'arbre de jade qui est l'arbre que j'ai créé hier et avant-hier. Voilà, c'est ma future maison. Un petit panneau, l'arbre de jade et tout.
Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir un petit jacuzzi quand on veut aller se mettre bien, se baigner tranquille. D'ailleurs, il va falloir que j'accorde un truc pour des particules, ce serait encore mieux. Donc voilà, ça c'est top, top, top. Avec des petites enceintes et tout pour mettre la musique, pour mettre le son et tout, parce que moi j'aime beaucoup la musique. Voilà. Donc là, on va rentrer un peu dans le. D'abord, on va faire un petit tour hein, autour. Vous voyez, hein, des petits émeraudes parsemés par-ci, par-là. Vous voyez le chemin, l'arbre, hein, très, très classe. Voilà. Là, c'est des coffres hein, avec tout ce que j'ai utilisé. Plein de trucs. Hein. Là, voilà, avec des petites têtes d'Halloween là, parce que ça va être Halloween bientôt. Hein. Voilà. Hop. Et si on monte, alors, on voit ça. Hein. Tac tac tac. Bienvenue dans l'arbre de Jade, cabane de Super 8 Léo. J'ai bien, je devais spécifier que c'est moi. Donc là encore une enceinte, ouais pour mettre des bons sons et tout. Et là on entre un peu dans le truc. Hein. Donc déjà dans un premier temps, on a ceci qui est un peu mon garde-manger, hein, qui est vide d'ailleurs. Voilà, donc il est complètement vide. Mais bon, voilà. Ici, on a le coin perso, donc avec le lit, la table avec le bureau, et là le livre qu'on remplira dans les futurs épisodes. Voyez, hein, toujours encore une fois, les notes blocs, hein. Hop, les notes blocs, encore une fois. Et là aussi, plutôt sympa. Et là, on a aussi donc un lecteur CD. Ça, c'est mes platines pour faire la musique. Ah là là et tout. Et comme vous avez pu voir dans l'épisode juste d'avant, j'ai dans mon coffre là-bas, j'avais plein de CD différents. Enfin, plein. J'en ai déjà beaucoup pour un début de jeu. Et c'est pourquoi, regardez, je les ai tous ramenés ici pour vous mettre un peu de son, pour mettre un peu de musique. Là, on va en mettre un, je sais pas quoi. Voilà. Musique, musique. Donc voilà l'arbre de jade. C'est parce que le jade, donc l'émeraude, hein, c'est pareil, on va dire. Et vous pouvez voir, voilà, on en a au milieu de notre arbre. C'est très sympa. Et là, alors ici, alors, normalement c'est fermé. Donc c'est mon balcon. Mon balcon. On va encore baisser, je suis désolé, mais à chaque fois j'ai le son qui est vraiment fort. Hop là, tac. Voilà. Donc, et là, vous pouvez remarquer, bah, vous dites, bon. Ah, c'est sympa et tout, c'est son balcon et tout. Il a de la chance, il a un balcon. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que, regardez, comme vous voyez ici, slime block, slime block, slime block. Parce que moi je me suis dit, bon, il faut un truc épique pour que je rentre un peu, pour que j'aille voir les autres là-bas et tout. Et je me suis dit, et si on faisait ça? Donc je vais manger et je vais vous faire une démonstration. J'espère pas me fail. Allez, hop, vous êtes ready. 3, 2, 1. Hop, tac, tac. Tac, hop, et voilà, et on arrive là dans la ville. On est dans la ville, on est tranquille dans notre ville, on est sympa et tout ça avec un côté d'épicness plus que fou. Vous voyez, j'ai fait des petites plateformes comme ça, hein, toujours retenues par au moins un truc. Hop, ici on a une qui est juste là, il y en a une là. Et une là, ça c'est la première où on atterrit. Et voilà. Donc on va remonter en haut. Et là vous vous dites sûrement, mais Super Léo, y a rien là, y a rien. Tu peux pas mettre une salle des coffres, tu peux pas faire plein de trucs avec ça. Et c'est pourquoi j'ai créé autre chose. J'ai créé ce qu'on va voir juste en dessous. On va fermer ça. Voilà, gros fail intersidéral. Vous allez voir en fait chez moi. Donc les autres de QVDP ils vont maintenant le savoir. Hein. Personne ne le savait. À part peut-être Fou Zep, je crois à qui je l'ai montré. Mais alors là faut faire attention. Faire hyper attention. Les creepers c'est pas mes amis. C'est vraiment pas mes amis. Hein. Pas du tout. Genre on n'est pas potes. C'est génétique. Donc voilà. Vous pouvez voir que j'ai parsemé un peu mon arbre de petits émeraudes dans des items frames et tout. Et en fait, c'est pas pour rien que j'ai fait ça. C'est clairement pas pour rien que j'ai fait ça. C'est juste et tout simplement parce que ici, on en a un aussi. Et la particularité de celui-ci, c'est que si on le tourne,
Et voilà, on a un endroit vers lequel on peut descendre. Et c'est tout simplement notre base en fait. La vraie de vraie. Là on va fermer. Voilà. Et là personne ne peut savoir qu'on est là à part avec notre name tag hein, bien sûr, mais bon. Mais voilà. Et là c'est tranquille. Et on va pouvoir faire plusieurs racines hein, et qui sont reliées à certaines salles et tout. Donc ça c'est vraiment 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 top. Et j'ai déjà commencé, comme je vous avais dit, parce que je voulais faire une table d'enchant. Et c'est pourquoi j'ai déjà fait la première racine avec une salle d'enchant. Et voilà. Salle d'enchant bien sympa avec des enclumes, des coffres, un ender chest avec il y a mes 16 diamants. Parce que j'en avais 18 mais j'ai dû faire ça là. Et les 58 glowstones. Bon ça sert à rien, c'est juste parce que j'en avais besoin et que j'avais plus de place dans mon inventaire. Et notre table d'enchant tranquille. Et d'ailleurs voilà, maintenant je sais ce que j'ai oublié, c'est de prendre du lapis. Voilà, bien sûr qu'il faut que je ramène ici dans les coffres. Et donc voilà, donc ça c'est là où il y aura beaucoup de futurs projets. Vous inquiétez pas, ce sera plutôt sympa. Et pour refermer, pas très compliqué, on retourne et ça referme. Voilà. Donc voilà voilà. Donc je vais reprendre le fil dès que j'ai du lapis et on va faire un ou deux petits enchants de pioche. Parce que j'ai besoin d'une pioche très décente. Donc voilà. Parce que là j'ai 34 levels. Donc on va essayer d'avoir un truc. On va jouer sur la chance. Hein, on va l'enchanter au level 30. On va pas faire ça avec des livres. Mais voilà. Ce qu'on veut c'est avoir un très bon enchant. Voilà. Vous pouvez voir la maison d'en haut. Attendez, on va se mettre dans un endroit un peu mieux. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Bon allez. Dans 2 secondes. Et on se retrouve devant la table d'enchant. Voilà. On va faire des enchants de pioche. Donc allons-y. On va crafter notre première pioche. Hop. On va regarder. On va regarder qu'on n'a pas de lapis. Déjà. Donc on va décrafter ce bloc de lapis. Voilà. Et donc, alors on va placer ça. Efficiency 4, déjà on a efficiency 4. Donc c'est déjà une pioche décente. Alors on va appuyer. Enfin bon, s'il n'y a pas une breaking elle sera pas très décente. Mais bon écoutez, on va voir ça. Allez, 3, 2, 1, on y va. Efficiency 4, unbreaking 3. Bon, ça va, c'est une pioche avec laquelle on peut miner. On peut faire, enfin bon, on peut miner des blocs hein. On va pas les miner avec ça, enfin ce serait dommage je trouve, mais... Alors ok, donc on va la poser là pour le moment. Non, on va la poser dans le coffre où on fait nos enchantes. Voilà. Voilà, on va recrafter une autre. Là, franchement, je me dis pas grave si j'utilise du diam. De toute façon, on ira en miner. Alors, on y va. Hop. Déjà, efficiency 3. C'est pas top. Mais on va faire quand même l'enchante. Alors, allons-y. Efficiency 3, fortune 2. Donc c'est pas top 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 mais si on a besoin de comment on appelle ça, si on a besoin de diamants ou quoi que ce soit, au moins on est sûr un peu d'en avoir quand même un peu plus hein, que la normale. Donc là j'ai plus que 28 levels, donc ça va être compliqué que je fasse un autre enchant à part peut-être un casque. Ouais, je vais enchanter un casque et après on va se laisser là. Hop. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on va remettre ça là. Allons-y. Alors, allons enchanter un casque. Au level. Non, pas au level 30. Au level 28. Alors, on va devoir placer. Alors, est-ce que j'ai un bloc? J'ai des blocs. On va mettre un bloc comme ça. On va voir combien ça fait. Ah, apparemment, ça fait pas. Ah oui, ça lag. 28, ok, c'est bon. Donc là on a protection 3 et protection 3. Bon. Bon bah ça fait toujours un casque pour nous protéger, c'est bien. Bon, je suis pas très très fier de mes enchantes que j'ai eu là aujourd'hui, mais bon, c'est toujours ça. Au cas où, Daily Fortune 2, je demanderai à Flo s'il en a, comme ça on aura une efficiency 3 fortune 3. Mais je pense pas que je vais fusionner les deux pioches parce que bon, la fortune me servira que à miner de toute façon. Non, à... Oui, juste à péter les blocs de minerai de diamant et de redstone et de lapis, mais pas pour le reste, donc voilà. Donc c'est pas non plus hyper utile. Voilà, voilà.
Donc on va se laisser là tout de suite. Ça lag un peu sur le serveur, mais bon, c'est pas trop grave. C'est normal d'ailleurs, notre hébergeur a quelques problèmes, mais voilà. Donc on se laisse là. Allez, ciao tout le monde, c'était Super Éclair. We'll be right back.